Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est la première semaine du mois de décembre et chez moi, c'est là qu'on montre le sapin de Noël. Cette année, j'ai décidé de mettre un peu de couleur et de décorer que le salon. Donc, les couleurs thèmes vont être rose gold, blanc et doré. Comme vous pouvez le voir, Nela est super excitée parce qu'elle comprend mieux qu'est-ce qui se passe et honnêtement, ça a amené une belle ambiance et je me suis vraiment amusée à décorer avec elle. J'ai repris plusieurs décorations de l'an dernier, telles que mon sapin. Et si vous vous rappelez, j'avais vaporisé de la fausse neige. Donc là, c'est parti un petit peu. Donc on va faire une petite retouche. On a décidé de monter le sapin un dimanche, donc j'ai décidé de mettre un service pendant qu'on faisait tout ça. Et vous, laissez-moi savoir dans les commentaires quel genre d'ambiance que vous mettez quand vous décorez votre sapin, est-ce que vous mettez de la musique de Noël, etc. J'ai commencé à décorer le sapin en ayant en tête que j'allais créer une genre de cascade avec des boules de différentes couleurs. Donc, je les ai attachées ensemble avec du fil d'acier, mais le processus était tellement long que j'ai abandonné à la moitié et j'ai laissé Nela mettre les boules comme elle voulait. Une petite nouveauté cette année, ce sont ces décorations, c'est des fleurs poinsettia que j'ai trouvées chez Walmart à seulement 2,95 chaque. Je m'en suis servie pour cacher les trous dans le sapin et les autres fleurs sont des décorations de l'année dernière que j'avais achetées chez Dollarama. De différent cette année. Donc, c'est des branches décoratives que j'ai trouvées au Dollarama. Il y a différents modèles, donc je les incorporerai en haut du sapin. Faites pas comme moi ici, piquez-les à la verticale pour éviter que le bout de la branche sorte de l'autre côté du sapin. J'ai gardé mon pouf avec mon pot de fleurs à côté du foyer, seulement pour ajouter un petit côté festif. J'ai rajouté les mêmes branches que dans le sapin, mais en version plus petite. Pour la table à café, je vais changer le plateau décoratif, rajouter un peu de décoration dorée et rose. Et tout ce qui se trouve sur la table vient de chez HomeSense et ou Winners. J'aimais pas trop mes sous-verres ici, donc je les ai changés par ceux-là qui étaient initialement dans ma cuisine. Je les ai trouvés chez Amazon, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je les préfère mieux ici, je trouve que ça va mieux avec la décoration.
Cette guirlande-là, je l'avais trouvée l'an dernier chez Dollarama. Donc, je l'ai repris. Il y avait des petits nœuds rouges dessus. Je les ai enlevés. Donc, j'ai fait un petit assemblage de boules de Noël que j'ai attaché avec le fil en acier. Et je vais rajouter un petit nœud rose gold. Connaissez ou que vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que j'aime vraiment beaucoup les oreillers décoratifs, sauf que parfois ça devient cher. Donc ce que je fais maintenant, c'est j'achète des têtes d'oreiller et je les change dépendamment de la décoration que je fais. Pour aller avec mon thème cette année pour Noël, j'ai acheté ces têtes d'oreiller chez Amazon. C'est des têtes d'oreiller roses en velours et il y a un renne dessus, puis c'est fait en fourrure. Je capote. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Regarde, ça se dit comme ça. Ok? 1, 2, 3, go! Non, ça a pris trop de temps. Ok, 1, 2, 3, go! Oh, c'est drôle! Pour moi, c'est pas gros, parce que moi, je peux pas le faire. S'il te plaît, encore, s'il te plaît, viens. S'il te plaît. Inquiétez-vous pas, Nila va très bien, il n'y a personne qui a été blessé. Vous pouvez voir en fait la vidéo sur ma chaîne Instagram @theprecioushjewel. Honnêtement, je voulais pas décorer cette année pour Noël parce qu'on ne compte pas recevoir. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, Nila comprend un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, je regrette vraiment pas d'avoir décoré. Donc, voilà le résultat final. Honnêtement, j'adore vraiment. Je trouve que le rose gold donne un côté féminin, mature, glamour au salon. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà commencé à décorer pour les fêtes. Quand est-ce que vous commencez à décorer? Quand est-ce que vous démontez votre sapin? Je veux tout savoir. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!